Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe, DCE live avec le défi vedette quotidien. Donc cette fois-ci, celui-là, il reste un jour et 23 heures, donc il se terminera mardi soir à 19h. Pour ce DCE-là, il est très simple, j'ai essayé de faire en sorte que le collectif, vous voyez, je suis large. Au niveau de la note, je suis pile, mais j'ai mis 3 bronzes quand même. En gros, il fallait un seul joueur de même club maximum, 4 championnats minimum, joueur de même pays minimum 5, joueur rare minimum 1. Note générale à 75. En gros, vous mettez 7 joueurs argentins qui jouent en Argentine avec plus ou moins leur bon poste. Je dis bien plus ou moins, vous voyez, j'ai mis des MDC en DC. Et en gros, après, vous achetez 3 joueurs argentin qui ne joue pas dans le championnat d'Argentine. Donc vous avez le gardien de Villarreal, vous avez l'attaquant de l'Udinese, vous avez le milieu du Chievo, mais honnêtement il y a encore des milliers de possibilités. Donc ne vous prenez pas la tête. Il y a par exemple le gardien de d'Arsenal ou de Tottenham, ils sont argentins. Il y a le gardien de Nice, il y a le gardien de Montpellier, il y a... Enfin bref, il y en a des milliers de possibilités. Donc ne vous prenez pas la tête, si les prix des bronzes là augmentent, il n'y a aucun souci parce que vous savez très bien, aussi bien que moi, qu'ils vont augmenter. Vous prenez d'autres joueurs, ne vous prenez pas la tête du moment où ça rentre dans les conditions. La condition la plus chiante, c'est les joueurs de même club maximum 1. Donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Vous faites en sorte déjà que tous les gens, les joueurs au bon poste là, donc du BU au milieu défensif, vous mettez au bon poste. Et après le reste, si vous ne trouvez pas de défenseur droit, regardez si je l'enlève, on est à 78, donc quoi qu'il arrive ça passe. Donc vous mettez, je sais pas moi, un gardien si vous voulez, ça passera. Je vous ai mis ça pour que vous compreniez le principe. Et honnêtement, il n'y aura aucun souci là-dessus. Je vous donne les noms. Pour les ors, vous pouvez prendre les mêmes que moi. Pour les bronzes, honnêtement, faites votre enquête et prenez ceux qui sont à 200, quoi, en gros. Allez, on commence avec Mariano Barbosa, Juan Galeto, Andrés Ayala, Ivan Marconet, Rodrigo Javier de Paul, Mauro Buruchaga, Neri Dominguez, Martin Benitez, Jesús Datolo, Nicolas Dominguez et on termine avec José Sand. On soumet l'équipe et on va aller ouvrir notre pack joueur Electrum Prime. Hop. Pack joueur Electrum Prime, il est là. C'est parti. On n'a pas d'anime. Et ce sera Correa. Ben vous allez, et là aussi il y en a un autre d'Argentin. Et en plus il est rare, donc c'est parfait. C'est parfait. Donc vous voyez même là, par exemple, à Bernardi, je sais plus si j'ai mis un joueur de colonne. Mais voilà, en gros, vous pouvez aussi le mettre. Allez, ça en dégage, ça en dégage. Sans garde, sans dégage. On garde, on garde, on garde. On dégage. Et on dégage ces deux-là. Voilà, il y a 5 joueurs qui vont me servir pour les SBC. C'est déjà ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis.